Et à celui qui nous suit ici sur place dans l'assemblée. Et vraiment que la paix du Seigneur est à l'aïeul. Vraiment que la paix du Seigneur. Et prévu qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avant qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons le 19 janvier, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons le 19 janvier 2021. Nous allons le 19 janvier 2021. La technique et la rappelle à caprice na yango. Il y a comme qui va bon ici et l'autre maison que ça sont mal en bouté, pas oui pour les pareils. C'est l'œuvre humaine. Donc la perfection c'est Dieu. Micro c'est ce sont les hommes de la Sadiango, ma bambli. Il nous a la moins difficulté, c'est possible. Où est-ce qu'ils émissions moquées? Et nous croyons que le Seigneur est avec nous par sa grâce. Et le Seigneur, quand il va quoi assister, il faut être sûr et certain que le Seigneur, donc on a fait si autant et à quoi il y a la parole, à bon qui s'est dit au pays, ma campa qui toque. Des fois, ça, elle est là, au Golam, par la grâce de Dieu. Dans la zone de Rana, nous avons démoqué. J'étais en plus loin de Dieu. Maintenant, j'ai la voix du péché longtemps suivi. Seigneur, je reviens. Oh, je reviens. Oh, ne puis errer. Ouvrez-la, ah, j'ai bras d'amour.
Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens. Je me réponds avec tes larmes, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens. Oh, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, ah, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, je me confie à ton amour, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, oh, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, oh, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché, maintenant je reviens. Redonne la force, restaure l'espoir, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, oh, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens, oh, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon seul espoir, ma seule prière, maintenant je reviens.
La prière et toutes les nations viendront à toi. C'est pourquoi toutes les nations viendront à toi. Non, Dieu miséricordieux. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur a yambabiso, mutamoko yambabiso te. Le Seigneur qui nous a accueillis et personne d'autre ne pourrait. Là où les gens condamnent, Dieu compatit. Là où les gens condamnent, le Seigneur lui compatit. C'est parce que le Seigneur a émis l'avenir. C'est parce que le Seigneur connaît l'avenir. A émis que cet homme. Il connaît que cet homme. Il est utile pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. A émis aussi cette sœur. Il connaît aussi que cette sœur. A bien mis aussi pas de travail dans la catinaïe et qu'il y a bénir plusieurs. Et elle est appelée aussi par l'œuvre qui est en elle de bénir plusieurs dans la suite des temps. Parce que le Seigneur répand aussi ses dons dans la vie des sœurs aussi. Parce que le Seigneur répand aussi ses dons dans la vie des bien-aimés sœurs. Et non, à copier sa émissaire, la grâce, il y a pour enseigner la parole. Non. Et non, il est donné et pourra donner à une sœur la grâce ministérielle d'enseigner. La sœur a cause la grâce, il y a pour demeurer dans une vie à jeûne et prière. La sœur pourra recevoir la grâce du Seigneur de demeurer dans la vie des jeûnes et prières. Et les dons de la prophétie Fongwamaka. Et les dons de la prophétie en elle. Dons aussi misusu et Fongwamaka. Et aussi d'autres dons peuvent s'ouvrir en elle. Il faut qu'on désire. Et il faut les désirer, bien les sœurs. Dans vos aliboso, aux Oyaka Église. Lorsque tu es là, tu viens à l'église. Oyaka Gagate pour la Oyaka Ozongaka. Ne viens pas seulement pour qu'à la fin tu puisses
se tourner comme Dieu ça. Dieu a des merveilles à Kosala Nayo. Dieu a des merveilles à faire avec toi. Le Seigneur a des grandes choses. Mais Alina pour travailler avec vases où ils allaient bien nettoyer. Et bien, il aime travailler avec des vases qui sont bien sanctifiés. Quand on se sanctifie, lorsque tu ne te sanctifies pas, le Seigneur ne viendra pas non plus pour travailler dans ta vie. Mais ce que osa na souci mic. Mais si tu as un grand souci, il y a qu'à découvrir ma cambounde à Zapé. Et découvrir les choses du Seigneur. Vous allez quoi abandonner les morts. Tu abandonnes vraiment les morts. Vous en avez besoin de monter plus haut sur la montagne sainte. Tu as besoin de monter plus haut sur la montagne sainte. Aïe bandé ma bumbami à Zambé. Que je puisse découvrir les mystères, les choses cachées du Seigneur. Je t'ai dit au comment on a ma merveille à Zambé. Je dit que tu verras le merveille de Dieu. Quand on se sanctifie davantage, lorsque tu te sanctifies davantage, le Seigneur a pour pardonner. Le Seigneur va pardonner tes péchés. Parce que à l'Écriture, parce qu'il a dit dans une Écriture, ceux qui vont trouver à cela qui n'a mabé à revenir ma bon sens à bannir pour ça la malam. Si un méchant revient de sa mauvaise voie et pratique la justice, alors moi je le pardonnerai. Le Seigneur dit que lui le pardonnera. Et ma camionion soit mabé d'aller pour ça la il a pour ça la il. Et tout ce qui est de mal que j'avais résolu de le faire, je ne l'exécuterai plus. J'accomplirai les merveilles dans sa vie. Dieu miséricordieux. Le Seigneur est miséricordieux. Linga o découvrir richesse et en zambé. Il faut aimer découvrir les richesses du Seigneur. Aussi distrait na makambo mabele oyote. Ne te distrait pas avec les choses terrestres. Mais linga vraiment au comprendre mozido ya makambo zambé. Il faut aimer comprendre les profondeurs des choses de Dieu. Et vous allez vraiment et le moment qui tombe pour ta vie. Et ce sera des merveilles pour ta vie. Que Dieu bénisse. Amen. Tout en dit texte Nabisso, Daniel chapitre 9, verset 27. Nous lisons notre texte dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Aujourd'hui, tous amis, je pense bien, 26e jour, 27e. 27e jour enseignement à Bisso. Aujourd'hui, c'est le 27e jour de notre enseignement. Sur les 70 semaines de Daniel. Et notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Nous allons au verset 27e, il y a Daniel 9. Nous sommes au verset 27 de Daniel chapitre 9. Et en mot, nous allons potanga et en mot au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous lèvons pour la lecture. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et le prendre. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Oui, Kofanda, par la grâce de Dieu. Tu peux te rasseoir par la grâce du Seigneur. Nous allons aussi rendre grâce et pas en zambé. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole les a déclarés, rendez grâce en Dieu en toutes choses. Parce que la parole déclare de rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Aux huit respirations, rendre grâce. Tu as reçu la respiration, rends grâce au Seigneur. Tu as reçu la nourriture, il n'est pas pour rendre toujours grâce au Seigneur. Tu as reçu, tu as trouvé la nourriture, et sache rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Au coquille, qu'on bouge, toi, Oyo. Tu peux remuer ton doigt. À cause, n'a le droit de bouger, oui, Seigneur, merci. Parce qu'on permettrait que mes doigts et ça, la mouvement. Ah, parce que tes doigts s'est remis, il faut aussi rendre grâce au Seigneur. Parce quand on a pour se déplacer, ça l'a toujours reconnaissant. Lorsque tu te déplaces d'un endroit à un autre, il faut toujours être reconnaissant. Jésus-Christ, alors, qui est
Vous ne pouvez rien faire sans lui. Jésus-Christ avait dit que vous ne pouvez rien sans moi. Et nous croyons à cela. Et nous croyons cette parole. Oui, vous allez donc à mon côté sans elle. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Ceux qui t'ont posé l'acte. Si nous posons un acte bien fait. Aujourd'hui, Saka, grâce, gloire, toujours et pas naïe. À lui, nous rendons grâce, la louange et l'honneur. Nous étions en train de chercher les tableaux même de 2 mètres. 2 sur 120. Le Seigneur a soungi et que par un bien-aimé. Le Seigneur. Et le Seigneur a fait grâce par un bien-aimé, nous puissions l'avoir. Et c'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur. Et à cause de cela, nous rendons grâce au Seigneur. Et pour faciliter Bissot vraiment pour tout ça, la moussala et ensemble, tout ça. Et cela va vraiment nous faciliter à faire l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train de faire. Et il y a un besoin, il y a un peu quelques. Sur une semaine restante. C'est pourquoi nous allons faire des calculs sur une semaine restante. Mais d'abord, toujours avant de commencer. Mais d'abord, nous montrons ceci avant d'en arriver. Nathanina nous Jérémie chapitre 9. Je lis d'abord les livres de Jérémie chapitre 9. Verset 23 et verset 24. Le verset 23 et le verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Boye Elodie Yahweh. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Donc, vous avez le Seigneur a refusé catégoriquement. Il a vraiment refusé qu'un homme se glorifie de sa sagesse. Que les forts ne se glorifient pas de sa force. Que les riches ne se glorifie pas de sa richesse. Là, il y a Jérémie 9. Là, c'est Jérémie chapitre 9. Verset 23. Le verset 23. Maintenant, le verset 24. Maintenant, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Là, c'est le verset 24 de Jérémie 9. C'est le verset 24 de Jérémie 9. N'azungélion encore. Je le reprends. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et de savoir que je suis l'Éternel. Qui exerce la bonté, les droits, alima et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Et l'Éternel. Donc, ils ont il y a des choses auxquelles le Seigneur prend plaisir. Et il y a d'autres choses auxquelles il n'aime pas. Auquel il n'aime pas que ça puisse faire dans notre vie. Et là, quand les gars ne sont pas des intelligence sur les choses de la terre. Ce que le Seigneur n'aime pas, par exemple, c'est voir un homme se glorifier de son intelligence. Comment on a se comparer avec un frère. Tu vas voir un autre frère en train de se comparer avec un autre frère. Parce qu'à mon son frère a tanguité. Parce qu'il a remarqué que son frère n'a pas étudié. Il a tangui. Lui, il a fait des autres. Il a son méprisé son frère. Et puis, il est en train de mépriser son frère. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Vous avez une sœur au tangui. Tu es une sœur, tu as étudié. Mais où est la tanguité qu'on méprise? Et ne méprise pas celle qui n'a pas étudié. Mépris, vous souhaitez ça qu'on a formé. Un autre mépris est dans quelle forme? Lorsque tu veux seulement t'attacher aux frères ou aux sœurs qui ont étudié.
étudié. Tu es une sœur qui a beaucoup étudié. Tu es dans l'assemblée. Mais tu cherches seulement à t'attacher à d'autres sœurs qui ont étudié. Alors vous savez moi groupe Nami. Vous avez fait, alors vous faites votre groupe là. Ces groupes-là pour faire le développement des choses terrestres que vous avez appris à l'université et dans des choses de Dieu. C'est pas les mouvements que tu es en train d'exhiber. Qui méprise les autres. Tu es en train de mépriser les autres. L'enfant des diables s'approchait auprès de sa soeur, de son frère. Un enfant de Dieu s'approchera auprès de son frère ou de sa soeur. Quand nous avons une grâce. Lorsqu'il voit une grâce en lui. Nous sentons que l'édification est là. Il sent vraiment qu'en lui il y a l'édification. Et quand on a repoussé auprès de ma soeur. Et lorsque je m'approcherai auprès de ma soeur. On a pour récolter quelque chose, il y a malin, moi, je vais récolter quelque chose d'édifiant. Et qui va m'instruire pour le royaume, pour le royaume des cieux. Moutou il faut à la carte au monde le lingue au outil au botamine en sera à maman. Vous voyez la manière dont vous êtes né par maman a vanté la voix de la femme au colis qui a grandi dans les péchés. Dans les péchés, dans une vie, il y a ma paix, dans une vie de l'iniquité, il y a rébellion, il y a iniquité, méchanceté de la rébellion. Quand vous venez croire à la parole, lorsque tu crois maintenant à la parole, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus, vous êtes répandu, tu te réponds de tes péchés, au salut abandonne les œuvres mortes, tu abandonnes les œuvres qui appellent à la parole, on va une nouveauté à vie, tu commences une nouveauté de vie. Maintenant, il faut t'aller au cima, autant à l'olingue aux alakines à vieil homme, maintenant l'olingue aux a changé. Maintenant, tu dois regarder comment tu étais dans le passé, dans la vie du péché, et aujourd'hui, comment tu as changé. Et maintenant, on s'est glorifié d'avoir connu l'Éternel. C'est alors que tu vas commencer à te glorifier d'avoir connu le Seigneur. Tu iras vraiment tout cas. Comme j'étais là-bas dans le monde. Moi, Jonas, qui était impunique. Menteur. Un menteur. Escroc. Escroc. Mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Je suis changé. J'ai changé. Donc, ma piquerie, un démarquage. J'ai vécu un démarquage, c'est ça une démarcation. Oui. Et celui qui n'a dit qu'il y a qui avant les années ma vie. J'ai abandonné la mauvaise vie du passé. Mais n'a quand même eu les années il y a qui tombe. Et je me suis attaché à une meilleure vie en Jésus-Christ. Et en cela, on peut sentir que non, non. En tout cas, je remercie le Seigneur. Et à cela, tu vas rendre grâce au Seigneur Jésus. Ah, Nazareth, j'étais ceux qui n'ont pas dit ma calicité, quand il y a ma paix, Nazareth. Je suis là, il y a toujours des mauvaises pensées. Ma paix. Des mauvaises pensées. Ma programme, quand il y a iniquité, il y a ma paix. Des programmes d'iniquité. Mais, là, il faut sentir que non. Mais j'ai senti. Je ne suis plus comme ça. Ah, je me glorifie. Vraiment, je me glorifie. Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Donc Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Il y a beaucoup se glorifier parce qu'il est envers. C'est pourquoi tu dois te glorifier parce que tu connais le Seigneur. Et ça, tient à ma casse. Cela est très important. Si dans ta vie, sentiment toujours à péché, Zali. Si dans ta vie, il y a toujours les sentiments du péché. Cherche le Seigneur. Lorsque nous disons toutes ces choses, ce n'est pas en vain. Parce que la promesse de Dieu est certaine. Parce que la promesse de Dieu est certaine. Pourquoi la revue, Christ revient bientôt. Comme il avait dit qu'il va revenir bientôt. Maranatha. Maranatha. Et ça y a solo. C'est vraiment la vérité. Il faut aussi préparer Malamou, la rencontre. Il faut te préparer à la rencontre de ton Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse vraiment. Nous sommes au verset 27e. Maintenant, tu l'idée vraiment, tu vas étaler d'avoir position à calcul. Maintenant, nous voulons étaler la position du calcul. Il y a dernière semaine. De la dernière semaine. Et que ça va beaucoup besoin. Caméra va faciliter qu'on puisse avoir vraiment permis
bazwa malamu parce que yango nde tozalaki na besoin makasi. Nous avions lu qu'il s'était resté une semaine. Une semaine dans 70 semaines de Daniel. Il faut le maman casser parce qu'il y a des bazar dans la bâtiment de source. Parce que ça va être comme moi et Bélé, bah oui, bah ça va congolété, bah ça dit qu'on a un bisou, bah c'est là qui, mon lobby en français, alors bah comme un casse, il faut la naka par an. Amen. Bah ça fait bande qu'on a gâté à colo, il faut bah yo kaka. Ils sont aussi des bien-aimés dans le Seigneur et ils doivent écouter la parole. Et moi, je vous en ai à Wangai, qui n'en a pas été. Tu dois prendre le tableau, moi je n'ai pas d'importance. Donc, besoin des tableaux. Prends le tableau. Total 5 Boïque. Nous avions montré dans 70 semaines de Daniel. Un jour se compte comme une année. Et une semaine pour Ezali à Daniel. Daniel chapitre 9, verset 27e. Et une semaine qui est dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Et ça compte 7 ans. Cette semaine-là vaut 7 ans. C'est comme 7 années. Et ça, 7 ans. Neuf ans où ton salaki les tire na yango. Donc, cette semaine, elle a divisé en deux. La dernière semaine est divisée en deux parties. C'est Daniel 9, verset 27. Deux parties égales. Donc, dans les langages de ces versets, ils ont trois jours et demi. Donc, il y a trois jours et demi. La écriture. Dans cette écriture de Daniel 9, verset 27. Comme un jour, et ça compte une année, comme un jour égale à une année, c'est que trois jours et demi, et ça trois ans et demi. Cela veut dire que trois jours et demi égale à trois ans et demi. Et le même sous 3 ans et 6 mois. Dans un autre langage, c'est 3 ans et 6 mois. Donc, quand nous avons 3 jours et demi, c'est-à-dire lorsque nous voyons 3 jours et demi, et donc on a 3 ans et 6 mois. Cela peut s'écrire 3 ans et 6 mois. Dans l'écriture. Dans les écritures de Dieu. Et comme la prophétie du Seigneur. Et comme la prophétie du Seigneur, l'abomination que vous avez établie dans milliers de semaines, qui a parlé sur l'établissement de l'abomination au milieu de la semaine, et que l'Apocalypse chapitre 13, dans verset 4 et 5, surtout le verset 5e. Et que dans Apocalypse chapitre 13, le verset 4 et 5, et surtout le verset 5, la bête
Azana a pesié pouvoir il y a 42 mois. À la bête, on a donné le pouvoir de 42 mois. 42 mois. 42 mois. Dit 42 mois. Or, si tu regardes bien le 42 mois, dans un autre langage, nous savons qu'une année a 12 mois. Donc, une année a 12 mois. Donc, cela veut dire ce qui contient 3 ans. Cela veut dire que si nous mettons 3 ans, et ça 12 fois 3, que vous faites ça 36 mois. C'est 12 fois 3 qui vont donner 36 mois. Maintenant, moitié année. Maintenant, la moitié de l'année. Donc, demi année. Donc, la moitié de l'année. Et ça 6 mois. C'est comme 6 mois. Donc, Eli Koloba, c'est 3 ans et demi. Et ça 42 mois. Donc 3 ans et demi, 42 mois, c'est ça. Donc 3 jours et demi, oui. Donc c'est 3 jours et demi. Dans l'écriture, Moussous. Dans d'autres écritures. Donc, mon amour, la forme est à 42 mois. Nous pouvons le voir dans les langages de 42 mois. Beaucoup sa chère, on va pas battre ce bateau dans la chair et nous devons. Comme sa chère, tu peux m'en sortir. Et quand ça va 42 mois, donc, par contre, on t'a dit que Dieu nous souffre. Nous allons croiser notre écriture. 3 jours et demi, mais va présenter mon 42 mois. Au lieu de parler de 3 jours et demi, mais on parle de 42 mois. Et ça aussi, l'écriture nous souffre. Il y a aussi une autre écriture. Toujours. Que nous allons toujours croiser. On ne va pas 3 jours et demi ou 3 ans et demi. Au lieu qu'on écrit 3 jours et demi ou 3 ans et demi. On décrira un temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. C'est ça. La moitié d'un temps. L'écriture, nous allons évoquer. Ces écritures, nous allons les évoquer. Un temps. Et la moitié d'un temps. Et ça, 3 ans et demi. C'est seulement 3 ans et demi. Je pense qu'il y a aussi la même écriture. Je pense que nous saisissons quand même ces écritures. Dans le langage de la Bible dans la prophétie, un mois, et ça va toujours à 30 jours. Un mois à 30 jours, à seulement 30 jours. Les années qui va calendrier théorie sont tous à la galère. Ce n'est pas le calendrier que nous avons. Oui, oui, moi, monsieur, ça va 31. Ou notre mois en 31 jours. Février, parfait, vous allez 28, année, vous êtes 29. Février varie entre 28 et 29 jours selon les années. Là, ce sont les calendriers que nous avons aujourd'hui. Le calendrier de la prophétie. Mais les calendriers de Dieu dans la prophétie. Oui, on s'en va appeler ça qui Israël. Que le Seigneur avait donné au peuple d'Israël. Un mois, ils allaient à 30 jours. Un mois à 30 jours. Là, ton simbalango, comment? Comment est-ce que nous saisissons cela? Ce qui totalise dans Apocalypse. Si nous voyons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Au verset 3e. Au verset 3e. L'écriture est là-bas. L'écriture dit. Je donnerai à mes deux témoins les pouvoirs de prophétiser pendant 1260 jours. Amen. 1260 jours. Oh, 1260 jours, c'est ça là, 3 jours et demi. Amen. 1260 jours, c'est seulement 3 jours et demi. Ou au Koloba, 3 ans et demi. Ou tu pourrais dire 3 ans et demi. Et Dieu bénisse. Amen. Donc,
produit d'abord par différents langages. Donc nous prenons d'abord les différents langages. Que nous allons rencontrer dans l'exposé la manière dont nous marchons. C'est le Seigneur qui détermine le temps. C'est le Seigneur qui détermine les temps d'une situation ou d'un événement. C'est lui le Seigneur. Maintenant, dans l'écriture, on se tente qui dans Daniel 9. Dans l'écriture que nous avions lu dans Daniel 9. Verset 27. Au verset 27. Balobel ici, le chef d'un peuple. On a parlé du chef d'un peuple qui viendra. Arrêtez à ta Balobi, le peuple d'un chef. Même si on dit le peuple d'un chef, mais tous, peuple, nous sommes les hommes toujours à quatre chefs. Ouais. Tous ces peuples-là est vu dans ces chefs-là. C'est comme par vous présenter Nebuchadnezzar. C'est comme l'on présente le roi Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2. Quand Daniel a donc expliqué ce statut de Nebuchadnezzar, lorsque Daniel explique les parties de la statue de Nebuchadnezzar, elle dit la tête d'or c'est toi Nebuchadnezzar. Il dit que la tête d'or c'est toi le roi Nebuchadnezzar. Donc le chef a donc incarné le royaume. Donc le chef incarne tout le royaume. Le chef a donc incarné le peuple. Le chef incarne tout son peuple. Attends aussi l'image peuple d'un chef. Même si tu prends l'image de peuple d'un chef, l'image horizontale, ça m'a dit, parce qu'il est commandité par un chef. C'est l'image qui montre seulement qu'ils sont guidés par un chef. Dieu bénisse. Amen. Il y a un bon maître, le bel qui est dans l'île où est allé dans le verset 27e, il y a Daniel 9. C'est ce que nous avions parlé dans l'île qui est dans Daniel chapitre 9, verset 27. Donc, la carte est embolie à ma camboisambe, dans la marche des jours du Seigneur, nous avons remarqué, qu'est-ce que nous remarquons? Le verset 3e, il y a Apocalypse 11, au verset 3 d'Apocalypse 11. Les deux soins, basant la moussala, bakosala, en Israël. Les deux soins ont un travail qu'ils feront en Israël. Et ça, les lotés. Cela n'est pas aujourd'hui. Pourquoi vous donnez ça, les lotés? Pourquoi nous disons que le travail n'est pas aujourd'hui? Et ça, les lotés. Ce travail-là, c'est n'est pas aujourd'hui. Pour ceux qui aujourd'hui Matthieu chapitre 23, parce que si nous prenons Matthieu chapitre 23, dans verset 37e, au verset 37e, il dit d'abord Jésus avait dit Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jésus avait dit que Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Amen. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes? Amen. Et vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, le verset 38e. Maintenant, verset 38. Il y a Matthieu 23. Et Matthieu chapitre 23. Alors, voyez déjà que désormais votre maison vous sera laissée déserte. Ah. Il leur avait dit que désormais votre maison vous sera laissée comme un désert. Or, ce que tu as dit désert. Or, si la maison reste déserte, et l'île colora, cela veut dire maïsaté, qui la maison est dépourvue de l'eau. Or, maïs, c'est la parole. Or, l'eau, c'est la parole. Qui vient avec de l'eau? C'est les prophètes. C'est les prophètes. Mais Israël, selon la prophétie, mais Israël dans la prophétie, Jésus a dit Israël qui est dans le verset 38. Jésus avait montré au verset 38. Israël a continué à la comme désert. Israël restera désert. Sans eau. Sans eau. Témoignage, vous c'est ça dans Osée. Un autre témoignage dans le livre d'Osée. Dans Osée 3. Osée chapitre 3. Dans verset 4e. Au verset 4e. Alors dit Israël restera longtemps sans roi. La Bible dit qu'Israël restera longtemps sans roi. Or le vrai roi c'est l'enseignement. Or le vrai roi c'est la parole, l'enseignement. Israël a besoin d'enseignement véritable. Israël manquera l'enseignement véritable. Cet enseignement c'est Jésus-Christ. Et cet enseignement c'est le Seigneur Jésus. Oh, l'apôtre Jean commis, que l'apôtre Jean avait écrit, il est venu chez les siens. Dans la parole. La parole est à qui pas à Mandekonaye. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais Mandekonaye va y habiter. Et Israël maintenant a dit parole. Et Israël aujourd'hui manque la parole. Dans temps Israël a dit la parole. En ces temps ici,
Israël n'a pas la parole bien aimée. C'est pourquoi nous montrons, nous parlons de l'histoire des quatre lépreux. Les lépreux, les lépreux, on ne les considère pas dans l'assemblée d'Israël. Ils sont amenés hors du camp. Dans Deux Rois chapitre 7, ils étaient là en dehors du camp, en dehors de la ville. Et il y avait la famine dans les pays. Alors je leur ai posé la question. Ils avaient dit, ceux qui nous vont dans la ville de Roku. Si nous entrons dans la ville, nous allons mourir. Ceux qui aussi nous cueillent pas les Syriens de Roku. Si nous nous rendons aux Syriens, nous mourrons. Mais tout ça, l'ami. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour qu'il décale. Allons seulement. Nous allons en avant. Amen. Ils sont partis et Zaraki n'a soir. C'était au soir au crépuscule. Pourquoi Zaraki Boko? Pourquoi c'était comme ça? Zaraki l'air au raison que le soleil est zolal. C'était du temps du coucher du soleil. Or, coucher à soleil est en réalité l'œuvre de la croix. Le coucher du soleil est pas la réalité de l'œuvre de la croix. Parce que tant qu'on va annoncer la naissance à Jésus-Christ, parce que lorsqu'on annonce la naissance de Jésus-Christ par la prophétie na papa et à Jean-Baptiste, par les paroles prophétiques dans la bouche de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, tant qu'on a vu son fils, lorsqu'il avait vu son fils naître, directement au monde à Christ et Jésus. Directement, il voit le Christ de Jésus. Alors il dit, le soleil levant nous a visités. Directement, il dira que le soleil levant nous a visités. Donc, tant que Jésus a eu, lorsque le Seigneur est venu, il les a levés à soleil. C'était comme l'élevé du soleil. Et à moi, Jean-Baptiste n'a plein en Zambas, en avait dit aurore. C'est pourquoi Jean-Baptiste, dans le plan de Dieu, il est comme l'aurore. Il est comme ce qu'on appelle en français l'aurore. Donc un temps où les avatars, ni jour ni nuit. Un temps qui n'est ni jour ni nuit au milieu. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Alors Jean chapitre 1er le dit. C'est pourquoi Jean chapitre 1er dit, il n'était pas la lumière. Azalaki Paul était. Mais apparaître pour rendre témoignage à la lumière. Mais il est seulement apparu pour rendre témoignage à la lumière. Là c'est Jean-Baptiste. Là c'est Jean-Baptiste. Mais si tu te rends, par exemple, dans Jean chapitre 5, au verset 35, tu commences au verset 35, Balobi, Jean était la lumière, Balobi, Yohann et Mobatisi, Azalaki Mouinda, mais vous avez voulu jouer avec Iné avec sa lumière. Mais Molina qui pose la tango moko na polinaï. Donc, dans Jean chapitre 1er, il n'était pas la lumière. Dans Jean chapitre 1er, on dit qu'il n'était pas la lumière. Et dans Jean chapitre 5, on a béni aussi la lumière. Mais dans Jean chapitre 5, on l'a appelé la lumière. Là, c'est tout un enseignement sur l'aurore. Donc, tant qu'il y a aussi sa moussala, donc, lorsque Jean finit son travail, mais Jésus a rien. C'est alors Jésus viendra. Donc, ce qui l'aurore est l'église, c'est que l'élevé à soleil est venu. Donc, si l'aurore passe, c'est l'élevé du soleil lui-même. Maintenant, ministère à Jésus-Christ. Maintenant, le ministère du Christ de Jésus. Ils ont des trajectoires et à soleil. C'est comme la trajectoire du soleil. Lorsqu'il mourait à la croix, et ça couchait au soleil. C'est comme le coucher du soleil. Et crépuscule. Et vient maintenant le crépuscule. C'est pourquoi nous voyons ces quatre lépreux. Dans Deux Rois chapitre 7. Vont aller chercher à manger au crépuscule. Et ça est un petit peu que. Et il s'est trouvé qu'ils ont trouvé de la nourriture dans les tentes des Syriens. Ils ont pris la nourriture dans la première tente. Et dans la deuxième tente. Donc ils ont mangé la nourriture qui était dans deux tentes. Amen. À la loi et au témoignage. Donc les deux tentes qui signifient à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Pour
L'aurore là, c'est comme le salut. Comme Esaïe 8 nous le dit. Donc, c'est que, donc, quand vous mangez pas au rien, lorsque les lépreux sont en train de manger, dans les pays là-bas de Samarie, c'est la famille qui régnait. Donc, au lieu de manger, quand elle mangeait, et ça l'a mis maintenant, n'a pas tout. Donc, le temps où ils mangeaient, c'était le temps de la nuit. Amen. C'est comme nous l'église, nous mangeons aujourd'hui la nuit, le soir. Samarie, Samarie là-bas est dans la famille. Amen. C'est ça. Amen. Ils étaient lépreux de la manière qu'ils étaient inconsidérés dans les camps d'Israël. Selon la loi. Selon la loi de Dieu. Et Dieu bénisse. Amen. Et même lorsqu'après avoir mangé, c'était la nuit. Mais il dit cette journée. Mais ils ont dit cette journée. Et ça, une journée de bonne nouvelle. Et une journée de bonne nouvelle. C'était la nuit. C'était la nuit. Mais la journée, mais ils ont appelé ça la journée. C'est la nourriture. La nourriture. Vous avez qui pour tout. Parce que c'était vraiment la nuit. Mais ma belle yango, la journée. Mais ils ont appelé cette nuit la journée. Amen. Parce que la lumière du soleil est dans la carte à la lune. Parce que la lumière du soleil est contenue dans la lune. Quand l'Éternel abandonne la plaie de son peuple. Lorsque le Seigneur bande la plaie de son peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans la lune est comme femme. Aujourd'hui, nous sommes comme la lune qui est représentée comme une femme. Maintenant, le Seigneur est en face de la tête et comme lumière. Maintenant, le Seigneur est venu habiter en toi comme la lumière du soleil. Donc, Azan a eu un étiquette à vous dans la toujours. Il avait dit qu'il ne te laissera pas orphelin, qu'il sera toujours avec toi. Et à moi, il est votre tout à l'issue. Maintenant, dans les signes, nous montrons. Les lépreux, quand vous voyez pour annoncer Nabutu, lorsque les lépreux sont venus annoncer la nouvelle la nuit, Basukelaki n'a pas. Ils étaient arrêtés à la porte de la ville. Petit message là-bas. Ils ont annoncé leur nouvelle. Les gardes de Mamani Kogan. Les gardes ont commencé à crier. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails, j'aime que nous restions dans ce que nous disons. Les gardes de Mamani Kogan sont dans la ville. Les gardes ont commencé à crier dans la ville. Le message de la nourriture. Le message de la nourriture. Les rois à Boyongi. Les rois a refusé de croire. Aujourd'hui, cela veut dire aujourd'hui. Nous sommes la nuit. Israël est dans l'incrédulité. Israël est dans l'incrédulité. C'est pourquoi les rois n'avaient pas cru en ces temps-là. Et puis tout le monde à partir de acte 1. C'est pourquoi nous disons à partir du même acte. Nous appelons un témoignage, nous sommes aujourd'hui à partir de l'acte 1. Nous avons notre témoignage, mais nous prenons seulement cet acte-là. Le même message que nous avons. Le même message que nous avons. C'est le même message qui croira aussi Israël. Parce que les lépreux. Parce que les lépreux viennent les mêmes. Les messages qu'ils avaient reçus. C'est le même message qu'ils avaient besoin qu'Israël aussi. Qu'Israël aussi obtienne. Mais le roi a dit. La famille s'y va conseiller, elle a dit qu'il faut faire très attention. Il a appelé ses conseillers, elle a dit qu'il faut faire très attention. Les Syriens, madame, les Syriens sont très rusés. Basali, Netiké, Batiki, Mokana, Bango, mais Madiba, nous avons dit qu'ils sont en embuscade. Ils ont fait comme s'ils se sont retirés pour nous mettre en embuscade. Mais elle a dit non. Totinda, deux chats. C'est pourquoi il a dit envoyons deux chats. Et vous en avez cinq chevaux. Et des chars qui partiront avec cinq chevaux. Sauf qu'ils décheront et il y a la même nouvelle. Si ces deux chars-là apportent la même nouvelle, c'est alors que nous croirions. Maintenant, tout ce qu'a définition à char dans Élie à Zoké. Maintenant, nous prenons la définition des chars dans l'enlèvement d'Élie. Élisée, maintenant, Zoromakoué. Élisée, entre les dix. Mon père, Tata Nangaï. Mon père, Tata Nangaï.
Israël. Donc chars, c'est l'esprit des prophètes. Donc les chars, c'est l'esprit des prophètes. Dieu bénisse. Amen. Comme des chars, dès que les gens ont le même message, comme c'était les deux chars qui étaient allés prendre les mêmes messages. Ezalaka et les voyages. Ce chars-là, c'est le signe des deux témoins. Parole, la même parole. Ce sont eux qui amèneront la même parole. Mais la journée. Mais la journée. Et Dieu bénisse pas la nuit. Pas la nuit. Vous en avez là? Amen. Ah. Par rapport à l'action de Gessalema. Par rapport au mouvement, comment est-ce que c'est passé? Israël aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons Israël aujourd'hui. Il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. Mais tant que vous battez soin pour le ministère, Apocalypse 11, verset 3e nous dit. Mais lorsque les deux soins viendra dans leur ministère, comme le dit Apocalypse 11, verset 3, l'église est vos alassiers. L'église sera déjà partie en vous à la terre. L'église ne sera plus sur la terre. Dieu bénisse. Amen. Et comme les deux soins, et comme les deux soins bien-aimés, ne le bénissons sous. Dans un autre langage, Azalaka présenté comme les ailes du soleil. Ils sont présentés comme les ailes du soleil. Parce que dans Matthieu 17, parce que nous avions vu dans Matthieu 17, dans le verset 2e, au verset 2e, Jésus-Christ est qui transfiguré comme son visage est comme le soleil. Jésus-Christ était transfiguré et son visage devint comme le soleil. Et Élie et Moïse m'apparaissaient. Et nous avions vu apparaître Élie et Moïse. Oh, les ailes du soleil. Or, les ailes du soleil. Nous avons dans la Malachie 4. Nous les voyons dans Malachie chapitre 4. Dans le verset 2e. Au verset 2. Il y a les ailes du soleil. Il y a les ailes du soleil. Ces ailes-là, c'est Moïse et Élie. Et ces ailes-là sont Moïse et Élie, le prophète. Il y a beaucoup de monde qui est la femme d'Apocalypse 12. C'est pourquoi tu verras la femme d'Apocalypse 12. Les ailes à grand aigle, Bézamel acquis. Les ailes du grand aigle lui étaient données. Parce que le grand aigle, c'est lui-même l'éternel. Parce que le grand aigle, c'est lui-même l'éternel Dieu. Mais elles, ce sont les prophètes. Mais ces ailes à lui, ce sont les prophètes. Et comme elles, on a besoin de la femme. Ce sont ces ailes-là qui prendront la femme. Pour amener la femme dans le désert. Pour l'amener dans le désert. Ça, c'est dans l'Apocalypse 12. Là, c'est l'Apocalypse chapitre 12. Femme wana, cette femme, na étape wana, dans cette étape-là, va mener dans le désert, qu'on la met dans le désert, Asa, Israël. Elle représente le peuple d'Israël. Parce que tant qu'elle est dans le désert, parce que lorsqu'elle se rend dans le désert, son compagnon est dans le verset 6e. Si tu lis au verset 6, il y a Apocalypse 12. Apocalypse 12. La femme qui est dans le désert voit qu'elle vous a nourri. La femme s'est rendue dans le désert pour être nourrie. Oui, tout le monde a dit la femme d'Égypte. Oui, nous avons vu la femme d'Égypte. C'est qu'elle a dit la femme d'Égypte. Il fallait que la femme d'Égypte. A dit Matrix à Égypte. Oui, se sortir et laisser l'Égypte. Mais à qui est le désert. Mais pour aller dans le désert. Pour qu'elle soit nourrie. Pour qu'elle soit nourrie. À la loin de Pharaon. Pour qu'elle soit loin de Pharaon. Parce que Pharaon a terminé avec qui serpent. Parce que c'est Pharaon, c'est toi qui était l'image du serpent. Mais maintenant, pour retirer la femme. Maintenant, pour retirer la femme. Il y a eu les deux ailes d'aigle. Il y a eu les deux ailes d'aigle. Dans Exode. Dans Exode. Et ça veut dire Aaron à Moïse. C'est que les personnes d'Aaron et Moïse. Parce que l'Éternel y est beaucoup à l'objet dans Exode 19. Parce que l'Éternel lui-même avait dit dans Exode 19. Verset 4. Le verset 4. À ce moment-là, Israël. Il y a Israël. Est-ce que mon monde n'est qu'il a été en Égypte pour la construction? Non, vous avez vu comment est-ce que je suis venu en Égypte pour vous prendre? Non, mais ma divine n'a pas pour m'y parler à bon. Je vous ai transporté par les deux grandes ailes d'aigle. Et les deux ailes-là, ils avaient dit Aaron et Moïse. Et ces deux ailes-là étaient Aaron et Moïse. Mais comme l'Exode 5, mais comme dans l'Exode chapitre 5, verset 3e, le verset 3, ça m'a dit ce qui Moïse qui va faire la 3 journées à marche. Le Seigneur avait dit à Moïse qu'ils vont faire 3 journées à marche dans le désert. Cela veut dire, trois journées on les a signé à 3 prophètes. 3 journées là, c'est que les signes des 3 prophètes. Donc tant qu'on va détacher par l'Égypte, lorsque on est détaché de l'Égypte, et qu'on s'en est avec 3 prophètes. Cela se fera avec 3 prophètes. Et avant prophétie, on a dit 3 journées de marche. C'est pourquoi la prophétie avait parlé de 3 journées de marche. Et Michée a été.
venir aussi en ce temps. Michée 6. Dans Michée chapitre 6. Verset 4. Le verset 4. L'Éternel a dit dans la Michée. Le Seigneur a dit par le chemin de Michée. Que n'a quitté qui trois envoyés. Je vous avais envoyé trois envoyés. N'a quitté la qui Moïse. Israël, je t'avais envoyé Moïse. Aaron. Je t'avais envoyé Aaron. Et Myriam. Et Myriam. Donc, il y avait une troisième envoyée. Oui, elle avait dit comme une femme. Qui était comme une femme. Elle dit qu'on le battait, que yo, c'est l'église, d'ailleurs, on tient moi aussi des bergers. Cela ne veut pas dire que tu mets ton église à toi et tu établis une femme pasteur. Non, là, c'est une fausseté. Là, c'est vraiment l'iniquité. Et il faut comprendre le langage prophétique. Il faut comprendre le langage de la prophétie. Pourquoi dans Michée 6? Pourquoi dans Michée chapitre 6, verset 4, le verset 4, le Seigneur a donné les trois envoyés. Le Seigneur a parlé des trois envoyés. En fait, il y a trois envoyés. Et dans ces trois envoyés, mon croissant moi. L'une est une femme, l'une est une femme. Bonne année. Pourquoi? Et ça, oh, il y a des prophéties. C'est parce qu'il y a des prophéties. Oh, ils ont jamais envoyé au livre d'Israël à vos enfants comme une femme. C'est parce qu'il y a des prophéties qui montrent que le Seigneur viendra pardonner les péchés d'Israël étant une femme. Soyez-moi noté. Si tu veux noter. Aujourd'hui, Esaïe 66. Tu prends Esaïe 66. Au verset 13. Au verset 13. Et ça, on a mis de l'attaque aussi. Parce que la vie de ça de la table pour comprendre très bien. Esaïe 66, Esaïe 66, verset 13, verset 13. L'écriture est ici du Soboye. L'écriture nous dit ceci. Esaïe 66. Esaïe 66. Amen. Comme un homme que sa mère console, le cola moi mon mari ou yo maman et azay na kobo kisa, ainsi je vous consolerai. Au côté taï na kobo kisa bino, vous serez consolé dans Jérusalem. Na kobo kisa manakati à Jérusalem. Donc le Seigneur a consolé Israël comme une mère. Le Seigneur va consoler Israël comme une mère. Et c'est pourquoi Diaka Maria en a parmi les envoyés. Et c'est pourquoi il avait établi Marie parmi les envoyés. Il y a aussi l'écriture dans Esaïe 49. Dans Esaïe 49. Dans Esaïe 49. Verset 14. Le verset 14. Dit le verset 15. Jusqu'au verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Si on disait l'Éternel m'abandonne, si on a l'obatié que Yahweh a dit qu'il aille, le Seigneur m'oublie, Kolo apôtre l'ingaille, une femme oublie quel enfant qu'elle allait, moi si mon corps qui n'a pas pour ça, moi n'a pas eu la commérisa, n'a qu'elle pas pitié du fruit de ses entrailles, à salité na mawa yamouma yamisopo na ye, quand elle oublierait, tant oui, à côté n'a pas pour ça na ye, moi j'ai point. Donc, et la même manière, quand Dieu fait qu'il ne puisse pas oublier le peuple d'Israël, là, devant Esaïe 49, verset 14 à 15. Là, nous avions dit Esaïe 49, verset 14 à 15. Avant qu'on compare à une femme, ces mouvements-là, le Seigneur les compare à une femme qui ne peut oublier la femme qu'elle a l'air. C'est pourquoi je vous ai donné Esaïe 66, au verset 13. Au verset 13. Et le Seigneur t'envoie pour consoler Israël. Lorsque le Seigneur viendra consoler Israël, à pour consoler Israël comme une mère, à pour consoler moi Nanaï. Il va consoler Israël comme une mère qui console son fils. Voilà pourquoi la Michée 6 a Tiaka, Marianne ou bien Myriam comme Moko envoyé. Voilà pourquoi dans Michée chapitre 6, il a parlé de Myriam comme l'une des envoyées. Pourquoi a-t-il la femme parmi les envoyés? Pourquoi
il avait placé la femme parmi les envoyés, Ezaké a moyen beaucoup d'Israël à fausse adoration la deuxième moitié. C'est parce que à la deuxième moitié, il viendra trouver Israël à la fausse adoration. S'il ne vient pas visiter Israël comme une mère, il ne va pas non plus les parler. Même puis aujourd'hui, pardon du péché. Même nous, nous avons reçu les pardons du péché. C'est pourquoi David avait dit, si l'Éternel gardait le souvenir de l'iniquité, qui subsisterait? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est pourquoi il ajouta que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Donc le Seigneur avait précaution. Donc le Seigneur avait pris la précaution. Et a dit que dans le programme Israël entre dans la fausse adoration. Il connaît que dans, dans son programme Israël entrera dans la fausse adoration. Et il y a un gros frère qui a été dans Israël comme une mère. C'est pourquoi il va venir comme une mère pour Israël. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, nous allons commencer à beaucoup utiliser les tableaux parce que nous allons avancer. Maintenant, ça va nous faciliter à bien faire la lecture du temps. Maintenant, dans cette première moitié ici de la dernière semaine, les besoins tombent parce que Dieu existe toujours parmi les frères. Les 15 hommes vont s'élever en Israël pour prêcher parce que Dieu suscite toujours les prophètes parmi les frères. Et le colazambé, et comme le Seigneur a éloigné la femme Israël de l'Égypte dans Pharaon, donc à comment qui loin d'Israël, bon, comme le Seigneur avait détaché la femme Israël loin du serpent Pharaon dans l'ombre, de la même manière, dans la suite des temps, la femme a cueilli dans le désert loin du serpent, la femme ira dans le désert par l'aide des grandes ailes, des grands du grand aigle. Là, si vous lisez versets 14 et 15, il y a Apocalypse 12. Là, si vous lisez versets 14 et 15 d'Apocalypse 12, il y a moins d'autres Israël. Ça va avoir besoin d'avoir côté à Israël. Alors, lorsque les désirs viendront enseigner Israël dans la première moitié, les serpents vont dominer Israël. Les serpents ne seront pas capables de dominer Israël. Déjà, expliquez-nous les serpents. Déjà, je vous avais expliqué les serpents. C'est la puissante nation. C'est la puissante nation de ces temps. Et Dieu bénisse. Amen. Les dimanches, nous avons dit que la Syrie était un serpent dans la Naïe. Les dimanches, nous avions montré que la Syrie était un serpent sans temps. Babylone était un serpent dans la Naïe. Babylone était un serpent sans temps. Après Babylone. Médo-Perse, c'est qui serpent à temps. Après Babylone, Médo-Perse était le serpent du temps. Après Médo-Perse, Grèce, donc Java. Après Médo-Perse, l'empire de Java. Après Java, Rome. Après Java, l'empire romain. C'est lui le serpent. C'est lui le serpent. Et Dieu bénisse. Amen. Et il faut y évacuer. Il faut que tu saches. Un programme, il y a Mozambique. Dans le programme de Dieu. Là, vous êtes en approche tous. Lorsque tu dis autrement dans les serpents, tu vois les serpents, Azon quoi qu'un fleuve contre la femme, qui est en train de jeter le fleuve contre la femme, il faut que l'Esaïe 59. Il faut aller dans l'Esaïe 59. L'ennemi viendra comme un fleuve. Il est écrit lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve. Mais la réponse est ça. Mais la réponse est que l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Que l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, frère. Non. Apocalypse 12, dans Apocalypse 12, Ezandé, la bouche, c'est la bouche. Donc la terre est formée qui bouche. La terre avait ouvert sa bouche. Oui, mais là qui grand fleuve lion sur ses pas. Et engloutit tout le fleuve que les serpents avaient lancé. Bouche, cette bouche était un ministère parle du ministère de Dieu.
besoin. Et c'est comme aujourd'hui, frère. Avant l'Éternel a quitté. Avant que Jésus-Christ s'en aille. Dans Luc 21. Dans Luc 21. Dans verset 15. Au verset 15. Il a regardé les disciples, tous les disciples. Après, il a dit, je vous donnerai une bouche. Il a offert sa vie au monocomoco. Donc, il pouvait se regarder. J'ai une bouche. J'ai aussi fait se regarder. Comment nous avons nos bouches? Et lui nous promet de vous donner encore une bouche. Cette bouche-là, pour la comprendre, il faut lire Apocalypse 2 et 3. Parce que c'est la bouche qui parle. Lorsque nous lisons Apocalypse 2 et 3, on dit que c'est lui qui a les oreilles. On dit que c'est lui qui a ça dans ma tête. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ayoka oyo molimo a solo de la bise. Cela veut dire le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit. Dans son service du ministère de la parole, c'est ça la bouche que Dieu a donnée au peuple. Alors, bouche ou un, c'est cette bouche dans l'église, et ça, qu'on ouvre dans son enseignement. C'est cette bouche-là qui fait les faux enseignements dans l'église. Quand l'église est connectée, lorsque l'église sera enlevée, le Seigneur va utiliser aussi ma belle. Le Seigneur va utiliser aussi la chair. Parce que comme nous sommes là, nous sommes la chair, les nécessaires. Nous sommes la chair. Et le Seigneur a fait une bouche. Et mais le Seigneur nous a donné la bouche. Amen. Ça, je suis en train de montrer. Apocalypse 12. Apocalypse 12. On dit la terre s'est courue la femme. On dit que la terre m'a béni et là qui voici les sourds. La terre ouvrit sa bouche. La terre avait ouvert sa bouche. La terre a les a besoin. Cette terre-là, ce sont les besoins. Parce que nous sommes venus pour la terre. Parce que nous aussi aujourd'hui nous sommes. Et Dieu nous a donné une bouche. Mais le Seigneur nous a octroyé une bouche. Donc, ma ministre n'y a son bazar partout. Donc, tous les ministres de Dieu sont des hommes, des poussières à poussière. Mais tous les hommes, nous voyons la pierre, la jacques, la taré, la salaki, la délé, les hommes, la pessie, la bouche. Comme les pierres, jacques, taré, tous les apôtres étaient de la poussière, mais le Seigneur leur a donné une bouche. Après, qu'on est dans la église. Après l'enlèvement de l'église, le Seigneur va s'en sous bouche. Le Seigneur prendra cette bouche. À vos besoins. Elle la donnera aux besoins. Bouche ouana et colonga, grand fleuve, venant sur ses bancs. Toute cette bouche-là va vaincre tout le grand fleuve du serpent. Donc, Elinko, le bâtard, vous battez, je vais vous battre à côté. Cela veut dire que lorsque les gens vont commencer leur ministère, la nation va vous dire qu'on domine Israël. Les nations ne pourront pas venir dominer le peuple d'Israël. C'est une situation de point. Si on te pose la question, pourquoi ça? Pour ma papoumi balé en pongo et zoki femme étaient loin qui s'est bon. Parce que les grandes ailes du grand aigle avaient pris la femme et l'a amené loin de la face du serpent. Et malignant son serpent à l'île qu'on lançait, bouche la terre et toutes les eaux qui lançaient la bouche du serpent, la terre l'avalait avec sa bouche qui signifie vaincre. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, donc, comme il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, comme la terre fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, dans son temps là de l'alliance, les deux soins auront le ministère d'enlever Israël dans les fausses alliances. Que Dieu bénisse. Amen. Yavonde va susciter la colère de la bête. C'est ce qui va susciter la colère de la bête. À cause de la hostilité et l'enseignement à Bago. La bête aura l'hostilité de l'enseignement de deux ans. C'est ce qui vient Daniel 11. Je vous avais donné Daniel 11 la fois passée. C'est roi la corne là, Zaki hostile à l'alliance sainte. Que la petite corne là qui était sortie de l'une des quatre cornes était hostile à l'alliance sainte. Là, j'entends dit Daniel 11, verset
temps. Là, nous avions lu Daniel 11, verset 30. Parce que ce qui a été, parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Zambé a son qui s'attaque à l'État. Il y a mon affaire de l'alliance naïe. C'est pourquoi dans la solide alliance de la Bête, pour mon équipe, vous avez l'alliance avec qui roi? Nous avons la Bête. Nous avons vu qu'il sera aussi en alliance avec les qui roi. Là, dans la Tiango, dans Apocalypse chapitre 17, verset 12. Nous avions vu cela dans Apocalypse 17, le verset 12. À vous en avez en allant en solide alliance avec 10 rois. Il sera aussi en solide alliance avec les 10 rois. Et ça, dans Apocalypse 17, verset 12. C'est l'Apocalypse 17, le verset 12. C'est avec ces 10 rois de Aboya Poya communiste l'agneau. C'est avec ces 10 rois qu'il viendra combattre l'agneau. Et Dieu bénisse. Amen. Et par la grâce de Dieu, le vendredi, nous allons continuer. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer le vendredi. Pour reprendre par rapport au tableau. Nous allons reprendre par rapport au tableau. Il faut y avoir que l'abomination tient en milieu de la semaine. Il faut savoir que l'abomination qui s'établit au milieu de la semaine. Jésus-Christ a l'obéré qui est en Matthieu, chapitre 24. La verset 15. Jésus-Christ l'avait parlé dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Même à Yamonel, Moussaboli Daniel à l'obé, la carte est diamine et si que saint. Pour que de côté, à Théo, abomination, vous allez Papa Boroua ne va pas prêcher que l'abomination sera le Papa Boroua. Va quitter Rome. Maintenant que les profanes dans la Jérusalem, maintenant il va aller là-bas dans Jérusalem, s'installer dans les temples. C'est ça la combinaison, frère. Là, les gens à côté, il y a Beaumoine. Là, c'est la prédication des petits enfants. Les gens Beaumoine. C'est de l'enfance purifiée. Il faut y aller. Il faut que tu saches. Celui qui avait prêché des Thessaloniciens 2, oui, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui a parlé de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Ce qu'on appelle Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Ce qu'on appelle Dieu, c'est la parole. Mais s'il y a l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Maintenant, si se trouve un adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, cela veut dire azoter les ménages, parole. Cela veut dire que cet adversaire s'oppose à la parole. Un petit adversaire, on peut pas à la peine dans l'église. Et il y a aussi les petits adversaires. Ces petits adversaires sont aussi dans les églises aujourd'hui. Oh, tu vas voir. Dans mon église, on peut voir. Dans une petite église. Il y a un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il y a un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il m'en voit, il a raté que doctrine est contrôlée. Un ministre qui ne peut être se faire contrôler par la doctrine. Il est têtu devant les écritures. En lui aussi, là, il y a une portion de l'esprit de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Peut pas adorer. Il a aussi besoin que les fidèles puissent l'adorer. Avant que l'église n'ait une date, il prend l'église comme sa propre maison. Non seulement comme l'entre dans sa maison au visage fermé. C'est comme il va à l'église trop ferme. Maintenant, si tu poses la question, ce qui veut dire cette colère? Autorité. Ça, c'est l'autorité. Définition d'autorité veut dire la colère? C'est ça la définition de l'autorité? Quand il est trop fermé. Lui, il est venu. À quoi dit la église? Tu es en train d'église? Ma voix, ça ne va pas. Mais il est venu de saluer les choses. Jésus a travaillé à côté ma porte. Jésus était là, il trouve les apôtres. Il dit que la paix soit avec vous. Il dit que la paix soit avec vous. Mais Yonan. Mais qui es-tu, frère? Tu voyais? C'est quand tu viens, ma frère. Tu trouves le vrai? Comme tu as un adversaire qui s'élève au-dessus. C'est qu'on appelle. Comme tu as un adversaire. Tu ne salues pas, les frères. On peut utiliser le modèle. Tu utilises le modèle de qui? La parole, il est comme ça, la parole. La parole lui-même, quand il venait parmi les frères. Alors, elle a mis son mot. Il nous avait dit ceci. Si toi qui. Ceux qui ont dans une maison. Si c'est toi qui entres dans une maison. C'est toi qui dois saluer. C'est toi qui dois commencer la salutation. Alors, la dit, il a dit. Dit que la paix soit avec qui vient et ça la vie. Maintenant, l'ordre où le Seigneur a fait. C'est l'ordre que le Seigneur avait donné. Mais toi, tu ne le respectes pas. Tu peux être au milieu des gens. Qu'est-ce que tu veux? Pas plus, ça, mais fermé.
enfermé. Pasteur, apôtre. Boaz, dans la robot dans la chambre, lorsque Boaz rentrait dans son propre chambre, dans Ruth chapitre 1, Boaz allait qui PDG entre lui-même était le PDG de cette entreprise, frère. C'est lui qui avait engagé ses propres moissonneurs. Mais t'as la réalité. Mais il faut lire la Bible. Boaz allait qui vous compte. Lui-même qui était le patron. Lorsqu'il entrait, c'est lui qui commençait la salutation. Donc, pour l'entreprise, en continuant, le propriétaire de Boaz, c'est lui qui commence la salutation. Mais toi qui es l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle même par la salle. Tu as seulement besoin de retirer la gloire parmi les frères. Cherche la gloire dans ta vie et prêche la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc quand le Seigneur a solo de la awawa, lorsque le Seigneur parle de Matthieu, Les lieux saints c'est tout un peuple, frère. Comme la même nourriture qu'on a les prêts à comme la même nourriture qu'avait les frères, c'est le même message que Richard et Zouaki. C'est le même message qu'avait apporté les Richard. Et nous le baptême jouait ma côté à Israël. Grâce. Cela veut dire que les deux jeunes enseigneront que la grâce est Israël. Les messages que nous avons aujourd'hui, c'est le même message qu'apporteront les déchats. Donc, ma beauté à Israël, grâce. Ils vont prêcher la grâce à Israël. Israël entrera dans la vraie adoration. Israël entrera dans la vraie adoration. D'après Osée 14, verset 1er à 2e. D'après Osée 14, verset 1er et 2e. Mais après des soins. Israël a fait la fausse adoration dans la deuxième moitié. Israël va commencer la fausse adoration dans cette dernière moitié de l'année. Mais les 144 000 vont garder pureté à parole. Mais les 144 000 vont garder la pureté de la parole telle que les désirs l'avaient prêché. D'après Apocalypse 14, verset 4. D'après Apocalypse 14, verset 4. Bango va s'essuyer. Eux ne s'essuyeront pas. La bête a commencé dans la deuxième moitié. La bête va les tuer dans la deuxième moitié de la semaine. Mais maintenant, l'écriture est dans Apocalypse 12. Maintenant, dans Daniel 12. L'écriture dit dans Daniel chapitre 12. Vendredi, le lundi, ça va, on se prévient. Que nous toucherons les vendredis par la grâce du Seigneur. Dans le verset 11e. Au verset 11. Et le dit, depuis l'abomination était à ma vie. Depuis que l'abomination était établie. Jusqu'à la fin de cela. Et que ça a 1290 jours. Ça fera 1290 jours. Or, vous m'avez dit que 3 jours et demi. Or, je vous avais dit que 3 jours et demi. Et ça 1260 jours. C'est 1260 jours. Or, si tu prends Daniel 11. Or, si tu prends Daniel chapitre 11. 1290 jours. On a écrit 1290 jours. Cela veut dire 30 jours et s'ajouter. C'est comme si on a ajouté 30 jours encore sur le 1260. 30 jours et quel est le temps du combat de l'Armageddon. C'est 30 jours ici, c'est le temps du combat de l'Armageddon. Nous allons l'expliquer dans tout calme par la grâce de Dieu. Mais ce qu'on avance encore, verset Zolanda. Mais si tu avances encore avec le verset qui suit, dans Daniel 12. Dans Daniel chapitre 12, on dit heureux celui qui attendra jusqu'à 1335 jours. On dit heureux celui qui attendra jusqu'à 1335 jours. On y connaît 1290, c'est-à-dire sur 1290, à partir de 45 jours. On a ajouté encore 45 jours. 45 jours exactement, Yesu a consolé Israël. Après Armageddon. Les 45 jours, c'est le temps où le Seigneur va se révéler à Israël après Armageddon. Parce qu'on a dit heureux, heureux, et c'est qu'on a monté à Rokomanatan. Or, être heureux, c'est le salut. Or, être heureux, c'est avoir le salut. Dans 45 jours, on a voyagé comme Myriam. C'est dans 45 jours ici qu'il
deviendra comme la troisième prophète qui est Myriam. Comme une humaine. Pour consoler Israël. Pour venir consoler Israël, son fils. Que Dieu bénisse. Amen. Naïmie, que par la grâce de Dieu. Je sais que par la grâce du Seigneur. Donc autant qu'on a petit à petit. Nous allons petit à petit marcher. Je l'ai qu'elle s'en à Zali Kosmogadiso. La manière dont Dieu est en train de nous aider. Et il faut toujours qu'on attaque par la grâce de Dieu, malgré les il faut toujours que vous suivez petit à petit par la grâce du Seigneur. Et d'autant ici qui d'abord, et nous avions montré qu'en tout, les programmes du Seigneur Zambre a pour exécuter pleinement. Le programme du Seigneur sera exécuté pleinement. Et tant que tout à la Kayangonde, vous allez continuer à cause à terre. Et lorsque nous regardons cela, nous sommes convaincus que le Seigneur ne mange jamais. Et par la grâce de Dieu, et par la grâce du Seigneur, nous prendrons le temps de les répondre et davantage. Nous prendrons le temps de les répondre et d'avancer davantage. Les jours du vendredi, par la grâce de Dieu. Les jours du vendredi, par la grâce du Seigneur. Nous avons fait une marche en arrière parce que nous avons pris un grand tableau aujourd'hui. C'est ce qui nous a envoyé à marcher aujourd'hui de cette façon. Et que la paix du Seigneur les a l'icône à mon corps. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Que le Seigneur Jésus puisse te garder par sa grâce. Que la paix du Seigneur vraiment soit avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va de l'avant. Que tu prospères à tous égards. Prospère à tous égards. On dit que la élongue à la combo de Jésus-Christ. Tu vis de la victoire au nom de Jésus-Christ. On dominait en gros au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, et surtout ce qui t'a dérangé au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur a répondu favorablement à la prière au nom de Jésus. Et que le Seigneur réponde favorablement à ta prière au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bon angolo na yo talisi na kati na biso. Kimia na yo zambe na bomoi. Yango nde ezali nyonso pour nous. Donc, bien merci na lolingo kambi biso na o mosala. Na kombo na Jésus-Christ to sangeli boye. Amen.